n'était que vacances. Mais je suis dans la joie parce que je suis venu en vacances dans le Seigneur. Alléluia. Nous allons lire les paroles de Dieu. Nous allons aller dans Hébreux. Hébreux 11, 1. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Tout le monde connaît ce verset. Et la Bible dit, je vais vous expliquer très clairement, c'est une ferme. C'est-à-dire quoi? Votre foi doit être ferme. Alléluia. Cette foi doit être ferme. La foi est une ferme assurance. Alléluia. 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 Une ferme assurance. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire quoi? Une ferme assurance et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire quoi? Quand nous prions, quand nous demandons quelque chose, la Bible nous demande d'être sûr que nous voyons déjà cette chose que nous demandons. Alléluia. C'est là qu'il y a un problème pour nous chrétiens. Nous, quand nous prions, nous voyons déjà que nous avons reçu ce que nous avons demandé. Quelqu'un peut dire amen. Nous voyons la foi que nous avons en Christ. C'est ça l'œil que nous devons avoir pour voir les choses que nous espérons, pour avoir la démonstration de ce que nous ne voyons pas. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Non. Quand je lis la Bible, quand je médite la parole, quand le Saint-Esprit me révèle, je commence à pleurer. Voilà pourquoi moi je pleure beaucoup. Alléluia. Parce que les gens manquent cet œil. Si tu n'as pas cet œil, le doute viendra. Or, si tu as cet œil-là, tu vas voir même ce qui est caché. Tu vas voir même ce que tu ne vois pas par-dessus la terre. Voilà pourquoi la Bible dit, invoque-moi, je te montrerai, je te répondrai et je te montrerai. Alléluia. Je te montrerai, tu invoques mais tu ne vois pas parce que tu ne veux pas voir. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes. Quand ils demandent l'argent, que Dieu te bénisse, maman. Quand il s'agit de la prière, il ne faut pas avoir honte. J'ai reçu l'argent, Seigneur. Parce que la Bible dit, l'or et l'argent appartient à l'Éternel. Alléluia. Amen. Quand mon fils vient me demander quelque chose, je suis obligé. Écoutez ce verbe, je suis obligé. Parce que c'est enfant de part de moi. C'est moi qui l'ai amené sur cette terre. C'est moi qui l'ai engendré. De la même manière, Dieu qui nous a engendré en Jésus-Christ, il a des devoirs à faire pour nous qui sommes ses enfants. Si vous ne connaissez pas ce devoir-là, vous allez continuer à pleurer toute votre vie. Mais quand vous découvrez que vous avez des droits devant votre père, parce que celui qui vous a engendré, vous allez prier avec assurance et vous aurez cette foi en disant que ce que je demande, c'est ce que mon père a le pouvoir, la capacité de me le donner. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Je vais exterminer ce monde.
Quand il a commencé à construire là, les gens se moquaient de lui. Ce papa est devenu fou. Ce papa est devenu ignorant. Il n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce papa. Et lui, il a continué à construire. Les jours que la pluie a commencé, les gens ont commencé à pleurer. Il s'était noyé. Alléluia. Bienvenue dans le ciel. C'est comme les témoignages que nous avons les six. Quand vous dites, je ne veux pas donner des médicaments, je ne veux pas boire. Quand votre soeur a dit, mes enfants étaient malades, mais c'est dit, vous n'êtes pas malade. Les gens qui n'ont pas de foi, ils vont te trouver comme cette maman a perdu quelque chose. Mais parce que tu as la foi, tu connais ce Dieu-là, tu sais ce qu'il est capable de faire. Tu dis, je sais, vous n'êtes pas malade. Moi, je veux servir l'Éternel. Ils ne sont pas malades. Alléluia. Je veux vous dire une chose. Vous savez, quand Jésus allait chez les gens qui étaient morts pour la résurrection, il disait à leurs parents, c'est en vain. Quoi? Alléluia. Amen. Mais ils étaient morts. Aux yeux de tout le monde, ils étaient morts. Et Jésus a dit, c'est un fantôme. Alléluia. C'est la même chose. Et ces gens de maladie, nous savons que l'ennemi est en train de nous chercher à nous fatiguer. Nous allons regarder la télévision. Non. Et vous n'êtes pas malade. Alléluia. Quelque soit ce que les gens vont dire. Quelque soit ce que les gens vont dire. Mais nous, avec notre esprit, quand vous commencez à exercer la foi, vous verrez des grandes choses dans vos vies. Alléluia. Quand vous commencez à exercer la foi, vous savez, le frère va que quand les malades venaient, notre frère là, il a dit, prends ta mousse. Allez là-bas, va prier. Alléluia. C'est comme ça, quand les gens viennent chez moi, qui sont malades, je ne vais pas très loin. Une petite prière. Aux yeux de Dieu, facilement, c'est fini. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Matthieu 21. Matthieu 21 à 22. La Bible dit ceci. Viens la Bible. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Verset 22. Demanderez avec foi par la prière. Il y a une condition. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Quand j'ai lu ce passage, c'est là que moi j'ai une dimension supérieure de foi. Parce que quand j'ai lu ce passage, je lis 3-4 fois. Je ne vois pas dans la Bible dit seulement certaines choses que vous demandez par la foi que vous recevrez. Mais la Bible dit, tout ce que vous demandez avec foi, tout ce que vous demandez avec foi, vous le recevrez. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de limitation. Vous connaissez la Bible, vous connaissez tout ça.
Bible à moyen mignon. Alléluia. Vous avez ce qui s'est passé. Cette femme, elle avait une décision. Je ne sais pas si vous êtes venu ce matin avec une. Qui est venu avec une décision? Sur quelque chose. Il y a combien? 30 personnes. Je savoir. Alléluia. Alléluia. Cette femme avait décidé. Je suis enfermé dans la maison chaque jour. J'entends qu'il y a Jésus-Christ qui va passer par ici. Elle a dit aujourd'hui. Il a dit aujourd'hui. Cette femme a dit aujourd'hui. Si seulement je touche sa robe, je serai guéri. Et si? Comment tu peux dire ça? Maintenant, il est tout le monde ici. Il y a des gens qui sont prêts. Jésus-Christ a dit. Une personne. Alors, Jésus a dit. Une personne. Je vous dis ceci. Même si nous avons besoin de voir comment les gens le pissent. Mais Jésus a dit non. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Pourquoi c'est quelqu'un là, je ne sais pas si c'est toi ce matin. Je ne sais pas si c'est toi ce matin. Quelqu'un m'a touché. Pourquoi? Parce qu'une puissance est sortie à moi. C'est cette puissance-là qui a apporté la guérison. Parce que cette puissance s'est connectée à la foi. De cette maman, alors le miracle s'est déclenché. Elle était complètement guérie et elle est rentrée guérie. Je ne sais pas que c'est toi ce matin. Bienvenue dans le Seigneur. Je vais lire à la maison dans Romains 11, 16 à 17. 11, 16 à 17. Tu vas lire à la maison Romains 5, verset 1er. Romains 5, verset 1. Et tu vas lire 2 Corinthiens 5, 7. Mais moi maintenant, je veux vous révolutionner avec mon dernier verset, message. Je te montre bien. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais te révolutionner. Tu vas voir maintenant qu'il y a quelque chose. J'aimerais que les enfants de Dieu prennent conscience de ce qu'ils sont. Nous allons lire dans Matthieu 8. Que tout le monde prenne ce verset. Alors, à l'autre bord, dans le pays des Cananéens, deux témoignages sortant des sépulcres vinrent au devant de lui. Ils étaient si furieux qu'ils sont venus ici pour nous tourmenter avant le temps. Et avait loin d'eux un grand troupeau de porcs qui passait. Les démons priaient Jésus. Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. Il a mis et puis il a groupe. Il a dit. Allez. Ok. Il sortit. Et entré dans le porcs. Et voici. Tout le troupeau se précipita. C'est qui les espèces de s'enfuient. Ils allaient dans la ville rencontrer, raconter tout ce qui s'était passé. Et ceux qui étaient arrivés au démoniaque. Alors, toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Dès qu'il est dans le cimetière, personne ne pouvait passer. Les gens avaient peur de passer. Mais la Bible dit, ce jour-là, quand Jésus-Christ passait, de loin ils l'ont vu. Ils ont dit, qui as-tu entre toi et nous, fils de David? Pourquoi tu nous tourmentes ainsi? Alléluia. Mais ils ont dit une chose. Nous savons que si tu veux, ce troupeau de poissons ne nous envoie pas dans les lieux arides. Envoie-nous dans ce troupeau. Et la Bible dit, Jésus-Christ les a envoyés dans ce poisson. Et ils sont entrés dans l'eau. Qu'est-ce que je vais vous dire ici?
Bien aimé, chérie.